C'est un tabou, l'abstinence. C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Quelque part, j'ai envie de dire, moins on baisse, moins on baisse. Et plus on baisse, plus on baisse. Sérieux, tu ressens rien? T'as pas de désir, t'as... Tu vois? T'as même pas envie de te toucher? Non. Non, non, non. Et non. J'ai découvert dans l'abstinence que je ne meurs pas si je ne consomme pas de sexe. Et c'est pour ça, finalement, que bon, cette absence de sexualité, j'en tire quelque chose. C'est que, si c'est pour être dans une performance et oublier son propre plaisir, à quoi bon, quoi? Pour nous, la sexualité, c'est un petit peu comme le jogging. C'est pas parce qu'on peut courir et qu'on se force à le faire qu'on aime ça. Nous, c'est la même chose. Et ben, nous, on a décidé qu'on aimait pas le jogging et qu'on n'en ferait pas. On n'aime pas le sexe et on n'en fera pas. Je suis née dans un minuscule hameau du Finistère Sud, j'insiste sur le Sud. La sexualité n'existait que pour les animaux, en fait. Pour les chats, pour les chiens, et on n'en parlait jamais pour les humains. Je n'ai pas eu d'éducation sexuelle, pas plus que mes sœurs n'en ont eu, pas plus que ma mère n'en a eu, ni ma grand-mère, ni toutes les femmes de la famille avant. Je dirais que je suis le premier être humain de cette famille à avoir donné une éducation sexuelle à son enfant. On ne parlait pas de sexe. On évitait d'en parler, et même si on n'en parlait pas, on sentait que le sexe était quelque chose de sale, de répréhensible, de dangereux, surtout pour les filles. Je crois que c'est ma recherche de l'amour qui a un peu parasité mon voyage au pays du sexe. Parce que je voulais de l'amour, je voulais qu'on m'aime. Je voulais réellement qu'on m'aime. Et j'ai aimé des garçons en cachette, c'est jamais ceux-là avec qui j'ai couché, jamais. On peut avoir une sexualité extrêmement épanouie, j'imagine. Moi, ça n'a jamais été mon cas, avec un homme qui ne nous aime pas et qu'on n'aime pas. J'ai très souvent couché avec un homme juste pour obtenir... juste pour obtenir de l'amour, de l'intérêt, pour exister. Quand ma fille est née, je me suis très vite séparée de son père. Et mon corps a fait un refus absolu du sexe. Je me suis dit, j'ai plus envie. Là, j'ai plus envie. Là, stop. L'histoire avec son père m'avait blessée énormément. La séparation a été très cruelle. Et le moment où j'ai refait l'amour après la naissance de mon enfant a été presque une mise à mort. C'était quelque chose d'extrêmement violent. Pas violent dans les intentions, mais dans l'impression de laisser entrer en moi le sexe d'un homme que je n'aimais plus. Juste pour remettre la machine en route, juste pour essayer de réparer quelque chose qui était irréparable. Et très naturellement, j'ai vécu seule avec mon enfant et les hommes n'ont plus eu leur place dans ma vie. Quelques-uns ont essayé de passer la porte, mais j'ai dit non, j'ai plus envie. J'ai reçu une éducation assez libérale, j'ai envie de dire, mais grâce à mon père. S'il y avait eu que ma mère, j'ai envie de dire qu'à 30 ans, j'aurais toujours été puceau et que j'aurais fait aucune fête.
Mais heureusement, il y a eu mon père qui m'a permis de sortir dès l'âge de 16 ans. Quand j'étais jeune, évidemment, je sortais beaucoup. Et j'ai bien constaté que j'avais très peu de succès par rapport aux occasions qui se présentaient. Mais c'est peut-être aussi à cause d'un problème, comment dire, un peu trop idéaliste venant de ma part. À savoir que quand même, dès le départ, même quand j'étais encore puceau, j'ai quand même toujours cherché l'amour. Moi, je voulais l'amour. Et évidemment, j'étais très déçu quand je me suis dépucelé. J'avais 18 ans et je suis allé avec une ex-call girl qu'on avait 29, que j'ai rencontrée dans un bar que j'ai accostée. Ça s'est passé assez vite. Après, on est allé en boîte. Ensuite, je suis allé chez elle. Moi qui ne suis pas un as du premier pas, hein, c'est une des rares fois où le premier pas a marché. Mais pour... c'était la première fois, quoi. Voilà. Qui n'est pas très mémorable, enfin, j'y pense pas souvent. Je me rappelle juste que c'était ma première fois. Ah oui, il faut quand même savoir ça c'est très important. Parmi les relations amoureuses que j'ai eues dans ma vie, je me suis toujours fait larguer. Sauf dans ma meilleure relation que j'ai vécue. C'est-à-dire avec la mère de ma fille. C'est moi qui l'ai virée, probablement la plus grande erreur de ma vie. Mais sinon, toutes les autres fois, plus jeune ou plus vieux, je me suis fait virer. Alors j'aurais donc connu deux grandes périodes d'abstinence dans ma vie. Okay. Je tiens à préciser abstinence subie et non voulue. Hein. Je me suis pas réveillé un beau jour en me disant « Tiens, je vais être abstinent, je vais plus baiser. » Non, non, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Et là, ça fait 7 ans que je n'en ai plus. Là, je traverse mon deuxième désert sexuel. Ma dernière demande officielle à une femme, ça va faire déjà 6 ans. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que j'ai pas eu d'occasion. J'ai même pas eu l'occasion de déclarer ma flamme à qui que ce soit en 6 ans. C'est extrême quand même. Je vais sur Tinder, je fais une rencontre, on décide de se voir très rapidement. Voilà, on couche ensemble, on fait nos affaires. Ok. Bon, c'était comme ça, quoi. C'était, voilà. Et puis, à un moment, en pleine nuit, je me réveille. Et en fait, le gars était en moi, parce que je sentais quelque chose qui me faisait mal. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et en gros, le gars était en moi et... Et je lui dis, mais... Je lui dis à ce moment-là, mais... qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, t'inquiète, c'est rien et tout. Et j'ai dit, mais t'as mis une capote? Et du coup, je mets la main sur son sexe et je vois qu'il n'y a pas de capote. Et je vois qu'il était vraiment dans mon vagin, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais... mais merde, c'est en train de m'arriver, en fait. Sauf que... je sais pas, j'étais tétanisée. Et puis après, je me suis pas vraiment rendormie d'ailleurs, mais j'ai fait semblant. Et puis après, je suis partie le lendemain. Et en fait, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais je lui ai pas gueulé dessus, je l'ai pas repoussé, et je suis absolument pas partie en fait. Alors que c'est ce qu'on doit faire hein, normalement dans ces cas-là, mais. Je me suis tellement sentie impuissante et... je sais pas. C'était... et honteuse aussi. Très honteuse. À
après cette histoire, du coup, j'étais. Ouais, c'est ça, j'étais vide de sens, en fait. Et par exemple, il m'a fallu, je crois, un an pour mettre le mot viol dessus. Tu vois ? Et comme le sexe et les corps ont commencé à me dégoûter, le mien et ceux des autres, hein, eh bien, je me suis dit, je me suis pas vraiment dit, en fait, hein, très clairement, je me suis pas dit, tiens, je vais arrêter le sexe. Hein. C'est que, je sais pas, c'est un peu comme une. C'est une question de survie, en fait, très clairement. J'ai compris mon homosexualité parce que progressivement, je me rendais bien compte que j'arrivais pas à m'inscrire dans le schéma hétéronormé qu'on attendait de moi. Puis à un moment donné, je veux le faire accepter à mes parents. Et là, ça s'avère plus compliqué. Ça s'avère plus compliqué parce que moi-même, j'ai des images de mes parents où je vais les décevoir, où je vais pas répondre à leurs attentes. Donc du coup, je me charge avec ça. Et puis mes parents, ils accueillent ça avec leur crainte, ils accueillent ça avec leur peur. Et le sexe va devenir une manière de combler ça. Le sexe, ça va être un vecteur pour pouvoir dire aux gens « aimez-moi » et pour aller consommer de l'amour partout où je peux en consommer. Je vais tomber dans le chemsex, une pratique qui est très en vogue dans la communauté des hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes. Ça veut dire que c'est aller dans un endroit où je vais consommer des drogues dans le but d'avoir du sexe. Et pour moi, dans la pratique que j'ai eue du chemsex, très vite, une hyper-consommation. Un gros sentiment de performance qui permet de tenir pendant plusieurs heures, plusieurs jours, de voir plusieurs hommes, des tas d'hommes. Dans le chemsex, le consentement n'existe pas. Donc, voilà, moi, c'était compliqué d'avoir mon consentement parce que j'étais consentant pour tout du moment où on me donnait du produit. Donc je la fermais, et puis de toute manière, j'étais un tel mendiant de l'amour que c'était aimez-moi, violez-moi, quoi. Violez-moi, il n'y a pas de problème. On me donnait de l'importance, quoi. Quand je regarde en arrière, le moment où je regarde en arrière et où je me dis merde, il vient de se passer tout ça, bon, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que je suis en train de me noyer et je suis complètement accro. Je suis complètement accro à la cam, je suis complètement accro au cul et je suis complètement accro au mec. Et à partir de là, c'est la descente aux enfers. Pour arrêter la drogue, j'ai dû arrêter le sexe. Parce que le sexe et le produit étaient hyper, hyper liés. Si bien que quand j'essayais d'avoir du sexe, même quand j'avais envie de sexe, ça me donnait envie de consommer des drogues. Donc bam, je rechutais. Ou alors, quand j'essayais d'avoir du sexe sans produit, j'y arrivais pas, j'étais frustré, ça me mettait en colère, j'allais consommer, bam, rechute. Donc il y a un moment donné où j'ai capitulé. J'ai capitulé, j'ai écouté ce qu'on m'a dit et on m'a dit si tu veux te rétablir, il faut que tu t'abstiennes affectivement et sexuellement pendant au moins une année. J'étais obsédée par l'idée que les hommes avaient de ma sexualité. J'étais pas dans une sexualité plaisir, j'étais dans une sexualité performative en me disant si tu as envie d'être avec quelqu'un, si cette personne doit rester avec toi, il faut que tu lui apportes du plaisir et il faut que tu sois comme ces nanas qui regardent sur Internet. Et donc, c'était beaucoup. C'était une sexualité sous pression, finalement. Et à partir du moment où j'apprends à être moi, je tombe folle amoureuse de Thomas, qui est très timide. Hein. On a le même âge
Et c'est pas évident, moi j'ai eu mes relations avant, je suis sortie d'une relation très longue avec quelqu'un. Lui en a moins eu, on n'a pas eu même, voilà. Donc on se retrouve comme ça, jeunes adultes, prêts à se lancer dans ce qui va être une histoire de vie. Je lui dis, écoute, c'est trop bien, maintenant j'ai pris confiance en moi, je suis prête, j'ai envie vraiment de me découvrir, d'aller explorer tout ce que j'ai envie d'explorer. Sauf qu'en fait, lui arrive et la société n'est pas que performative pour moi. Et je lui fais peser quelque part cette pression-là à lui, qui est une pression mais qui est énorme. Quand une femme arrive et vous dit ce genre de truc, je pense que c'est effrayant, quoi. Parce qu'en fait, il a grandi avec les mêmes pornos, il a vu les mêmes choses, il a vu des hommes capables de bander 48 heures d'affilée, des trucs complètement hallucinants, et je pense honnêtement qu'il a paniqué, en fait. Je sais que ça finit par disparaître de notre vie, et petit à petit, ça s'est éteint, parce que... c'est horrible de s'imposer ça. Je veux dire, quand on voit que ça marche pas, ça crée chez nous une sorte de violence. Enfin, moi, au début, je l'ai vraiment vécu comme une violence. C'était horrible pour moi de ne pas me sentir désirée. Il m'a fallu du temps pour comprendre. On nous demande d'être performants. On est dans une société qui nous demande d'être performants. Et cette performance nous empêche finalement... de faire ce pour quoi le sexe est censé être fait, c'est-à-dire du lâcher prise. On a énormément de mal à lâcher prise. Nous sommes asexuels tous les deux. Ça veut dire qu'on n'a pas de désir sexuel l'un pour l'autre. Et qu'on n'a pas de désir sexuel pour les autres aussi, quel que soit leur sexe. La sexualité, c'est une orientation sexuelle. Donc voilà, c'est assez rare. Et c'est pas facile de rencontrer quelqu'un qui est asexuel également. Alors, c'est rencontré sur Internet, pour faire dans l'originalité. Mais pour nous, c'était un peu obligé, parce que c'est très compliqué de trouver quelqu'un d'asexuel dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui conçoivent pas que ça soit possible d'être en couple sans sexe, en fait. Alors que, moi, ce que je trouve étrange, c'est que on arrive à concevoir le sexe sans amour, mais on n'arrive pas à concevoir l'amour sans sexe. Et ça m'a toujours paru bizarre. Alors que c'est complètement possible. Pour nous, c'est tout à fait normal, parce que, comme on l'a dit, c'est une orientation sexuelle. Donc, on est comme ça, on l'a pas choisi. Donc, c'est vrai qu'on se pose même pas la question. Pour nous, c'est notre manière de vivre et c'est notre manière d'être. C'est ce qu'on est. Ma première relation sexuelle, c'était à 19 ans, me semble. Et la première fois qu'on a fait l'amour, j'ai pas aimé ça, j'étais très déçu. Enfin, je m'attendais vraiment à quelque chose de bien, pour le coup. Enfin, c'est quelque chose que je fantasmais un petit peu, mais en tant que quelque chose de romantique, pas la manière des autres garçons qui voyaient ça vraiment de manière très... bestiale. Très bestiale, ouais, très, très sexuelle. Moi, j'imaginais quelque chose de romantique, un peu comme dans les films, ce genre de choses. Et non, en fait, j'étais très déçu, extrêmement déçu. Et je me suis dit, je savais que pour les filles, c'était décevant la première fois, mais pour les garçons, j'avais jamais entendu ça, donc ça me paraissait bizarre. Moi, j'ai toujours éprouvé du plaisir sur le moment. Et c'est ça que les gens ont aussi du mal à accepter, parce que j'ai jamais dit que j'éprouvais pas de plaisir pendant l'acte sexuel, et pour autant j'en ai pas envie. C'est quelque chose que je ne recherche pas, et c'est quelque chose même qui, après coup, me dégoûte. J'ai un fort sentiment de dégoût à la fois avant, pendant et après, même si je ressens un petit peu de plaisir. Et j'ai déjà essayé de faire l'amour doucement pour échapper à ce côté un petit peu bestial, cette représentation violente du sexe qui pouvait peut-être me repousser. Et pour autant, ça me repousse toujours autant. Thank you.
l'abstinence non souhaitée qui se prolonge, ça entraîne une sorte de décalage par rapport aux autres. On se sent un peu comme un handicapé. C'est un peu comme quelqu'un à qui il manque une main. C'est, il fait... Ok, c'est encore un humain, mais dans la tête des gens, malgré eux, il fait déjà plus tout à fait partie du règne humain. C'est autre chose, il lui manque une main. Et c'est la même chose pour la non-vie sexuelle. On n'est plus tout à fait incorporé à la société. C'était bizarre parce que il y avait deux parties en moi. Il y en avait une qui était sûre que l'abstinence était le meilleur truc. Et il y en avait une autre qui se disait, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre de ne pas avoir de désir, de ne pas avoir de libido. Enfin, t'es quand même quelqu'un de chelou. Autour de toi, ça n'arrive pas. Et en fait, je me suis même venue à me dire, bah en fait, ma pauvre fille, bah t'es frigide, quoi. Cherche pas. T'as passé le cap des hormones de la vingtaine, parce que souvent on dit qu'à la vingtaine, on est blindé d'hormones et c'est là où on a une vie sexuelle du tonnerre. Et du coup, je me suis dit, bah ça y est, hein, t'as eu ton tour, c'est mort pour toi maintenant. Et donc, du coup, ça m'a rendu très triste, parce que je me suis dit, ah bah merde. Donc en gros, toute ma vie maintenant, je vais pas aimer, quoi. Je vais faire ça un peu par obligation. Souvent, les hommes m'ont dit que, avec moi, il y avait un truc incroyable, c'est que. Ils avaient un plaisir qu'ils n'avaient jamais ressenti avec personne d'autre. Et je veux bien les croire, parce qu'ils sont nombreux à me l'avoir dit. Et même certains reviennent à la charge des années après, parce qu'ils n'ont pas trouvé mon équivalent sur le marché. Mais moi, je ressentais rien, vraiment rien. Je dois avoir un don, en fait, probablement. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, je n'en retirais pas les bénéfices. Mon objectif, c'était de tenir 24 heures. Puisque, au départ, quand j'ai voulu arrêter de consommer, je me suis toujours mis dans un truc où j'arrête de consommer pour toute la vie. Et ça marche pas pour moi. Ça marche pas pour moi d'arrêter de consommer pour toute la vie parce que ça me fait beaucoup trop peur de pouvoir me dire plus jamais de drogue de toute ma vie. Et pour le sexe, c'était la même chose. Un an, c'était beaucoup trop long pour moi, un an. Un an sans sexe, un an sans l'amour d'un homme, comment je vais faire? Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais faire 24 heures. Je vais tenir un jour sans sexe et sans produit. Alors il y a même des moments où ça a été tellement compliqué que c'était, je tiens pendant 5 minutes. Et toutes les 5 minutes, je remettais ma montre et je redisais, ok, là, pendant les 5 prochaines minutes, tu consommes pas. Le fait de pas être désiré m'a fait beaucoup de mal au début. À en pleurer, à pas comprendre, à dépenser 800 euros en lingerie, à tout jeter parce que ça ne marchait pas, à faire du sport 8 heures par jour en me disant que j'étais pas assez belle. Enfin, je suis passée par des phases de désespérance totale vis-à-vis de ce non-désir. Pourquoi, en fait, avec moi, ça marche pas, alors que tout seul, ça marche très bien et je lui en voulais. Enfin, je lui en voulais terriblement parce qu'il me mettait dans une position d'inconfort total et d'anxiété totale vis-à-vis de ça. On peut dire que ça fait des problèmes en moins, effectivement, de ne pas avoir de sexualité. Après, ce n'est pas pour ça qu'on est asexuel, puisque ce n'est pas un choix qu'on a fait. Mais c'est vrai que quand on se rend compte la sexualité, à quel point ça peut être un problème dans la plupart des couples par rapport à toutes les tensions et les disputes que ça génère. Ça tourne souvent autour du sexe, en fait. Et c'est vrai que nous, vu qu'on n'a pas de sexualité, on est très épargnés vis-à-vis de ça. Ça nous libère en quelque sorte d'une source de tension qu'on pourrait avoir, oui. Et je pense que pour une femme, en tout cas, ça libère aussi du côté d'une certaine charge mentale, puisqu'il y a la question de la contraception qui n'est plus à assumer, ce qui est quand même un sacré point en moins dans la charge mentale de la vie d'une femme, qui n'est pas toujours assumée par les hommes. Il y a la question aussi des grossesses non désirées, etc. Donc c'est vrai que pour ça, ça fait une préoccupation en moins. Et on passe moins de temps au rayon lingerie. C'est vrai.
Il y a une grande violence dans la façon dont la société traite les gens qui, par choix ou par malédiction, je dirais, n'ont pas de sexe dans leur vie, n'ont pas d'amour, en fait, n'ont pas de tendresse, sont seuls, n'arrivent pas à se mélanger avec quelqu'un d'autre, à attirer quelqu'un d'autre, ou à le garder. La société est cruelle avec ces gens-là. C'est une tare, un peu. C'est perçu comme tel. Quand ça dure trop longtemps, quand ça dure des années, c'est « mais comment tu fais ?»« Ben, je fais pas, c'est tout. » La société, elle joue quand même un rôle dessus, quand je dis indirect. C'est-à-dire qu'on te dit pas directement « soit comme ci, soit comme ça », quoique. Mais indirectement, c'est par toutes ces pubs, par exemple, genre tu vois quand tu vas dans le métro, tu vois la pub « adopte un mec » ou « Tinder ». Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et qui te disent, en fait, que la vie, c'est simple. Il suffit de 2-3 clics. Soit tu rencontres l'homme de ta vie, soit tu rencontres ton plan cul de ton mois ou ta semaine, tu vois. Et qu'en gros, tout est cool, tu vois. Et que c'est trop bien, c'est génial. Mais en fait, je me dis, bah merde, moi, je corresponds pas à ça. Parce qu'en fait, moi, je me prends la tête tout le temps. Moi, c'est pas simple. Moi, c'est nul. Moi, c'est pas joyeux. Enfin, tu vois. Et du coup, t'es un peu en mode... bah merde. Tinder, bon alors... J'ai essayé, ça n'a mené à rien. J'ai juste eu des discussions, j'ai jamais eu un rendez-vous. Bon, Mythique, j'y étais inscrit 6 mois. Alors là, j'ai même eu aucune réponse. Enfin, que par un bot. Voilà. Ok, un robot qui me répondait. Non, non, ça, c'est pas pour moi. Je le sais que c'est pas pour moi. Il y en a qui se gaffent de ça, qui sont très contents que ça existe. Voilà, ils se disent, c'est la nouvelle façon de se rencontrer d'aujourd'hui. C'est moderne, tout ça, allons-y. Moi, non. Moi, j'ai besoin d'abord d'une rencontre physique. La rencontre virtuelle, en premier lieu, ça peut pas marcher avec moi. C'est pas possible, en fait. C'est aussi normal d'avoir une sexualité qui n'est pas une sexualité quotidienne, qui n'est pas une sexualité de tous les moments. On est tous fatigués, on a tous des enfants en bas âge. Enfin, il y a 8 millions de raisons de pas avoir de sexualité. Mais le dire, c'est autre chose. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je parle à des gens, on me dit « Ah non, mais moi, je baisse pas. » Mais par contre, le dis pas, hein, parce que c'est chaud de dire qu'on baisse pas. Franchement, mieux vaut dire qu'on baisse trop qu'on ne baisse pas, quoi. Dans une société hyper sexualisée, c'est vrai que c'est compliqué d'annoncer qu'on, nous, on n'a pas de sexualité. On va forcément à rebours du modèle sexuel que la société tend à nous imposer. Donc oui, on est considéré comme un couple très marginal. Je me souviens d'une remarque d'un médecin quand j'ai annoncé mon asexualité, qui a dit « Ah oui, vous êtes un couple très particulier quand même !» de la part d'une professionnelle de santé. On est illégitime. On est illégitime. Ça continuera à être considéré comme un problème psychologique et pas simplement comme une orientation sexuelle comme les autres. Le fait d'être abstinent sexuel, je sais pas si ça me marginalise ou si c'est moi qui me marginalise. Je pense que je me marginalise parce que je dois me sauver la vie. Si je continue à consommer, je vais crever, c'est clair. Donc, j'ai plus d'autre choix. Donc, à un moment donné, parce que j'ai touché le fond, parce que je suis épuisé et parce que j'en ai marre, mais cette fois, j'en ai vraiment marre, eh bien, c'est pas grave si je me marginalise. C'est pas grave si je suis pas le roi des boîtes de nuit, le roi des soirées gays, le roi des partous, le roi de la salle de sport. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, parce que la priorité, c'est « je dois sauver mon derrière ». Moi, à ce moment-là, je suis en train de clouer les dernières planches sur mon cercueil. Louper sa vie affective, louper sa vie sexuelle, c'est un peu louper sa vie tout court. Donc, ça donne plus trop envie d'être là, tout simplement. J'ai pensé plein de fois à me supprimer, oui. Aussi bien durant mon premier désert sexuel que durant celui que je traverse encore. Mais plus maintenant, plus trop maintenant. Mais je me suis tellement rongé les sangs avec ça que c'est pas possible d'aller au-delà. Enfin, au-delà, c'est se donner la mort, quoi. Donc, moi, j'ai une fille, c'est une solution interdite, ça, je vais pas le faire. J'ai
J'ai eu du mal avec mon corps. Enfin, ça m'a... L'absence de sexualité a fait de moi quelqu'un qui a eu un vrai problème d'image. Il y a des moments où je ne pouvais plus me regarder dans un miroir, j'arrivais plus à m'habiller. J'avais peur du regard des autres, du regard des hommes. Je pensais que je ne pouvais plus susciter le désir chez quelqu'un. Pendant très très longtemps, presque j'oubliais que j'avais un corps en fait. Je voulais l'oublier. J'étais plus du tout là-dedans et j'étais quelqu'un qui adorait s'habiller, qui adorait mettre du rouge à lèvres, des talons hauts. Et j'ai perdu ça pendant un moment, quoi. J'ai un rapport spécial avec ce corps, en fait. Genre, mais je me suis toujours dit qu'il n'était pas assez sexy. Je me suis toujours dit que c'était un corps fonctionnel, tu vois. Mais du coup, c'est de la merde, parce que du coup, je me disais que c'était pas beau, que c'était pas... Tu sais, c'était trop carré, c'était trop masculin, c'était trop... tu vois. Mais petit à petit, j'essaye. Voilà. Pourquoi ça te touche autant ? Ah, c'est très dur. C'est très dur. Parce que... Ben c'est, tu vois, je me dis, c'est con, hein, il y en a, ils ont, soit ils ont pas de corps, soit ils ont des choses, tu vois, plus dures physiquement à vivre ou quoi, tu vois. Mais j'ai du mal à communiquer avec ce corps, tu vois. J'arrive pas. Je me sens pas à l'aise. Tu vois, j'ai l'impression qu'il m'appartient pas. On se sous-estime, on ne se voit plus à sa juste valeur. Pour le dire grossièrement, on se prend pour une merde, on se voit comme une merde. Et voilà, tout ça parce qu'on n'a aucun succès dans sa vie affective et sexuelle. Enfin, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais enfin bon, je suis pas Alain Delon, mais je suis pas non plus quelqu'un de trop stupide. Non, c'est autre chose qui va pas, mais j'ai eu beau me poser des tas de questions. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça m'est arrivé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'à un moment, j'ai commencé à m'y habituer. Peut-être. C'est plus facile de s'abstenir. C'est plus facile de baisser le rideau de fer, en fait, que d'avancer. C'est aussi un choix de facilité, je pense, l'abstinence. Parce qu'on n'ose pas, soit on est trop fragile, soit... On a peur du refus. Donc on dit, j'en ai pas envie, en fait. C'est comme un enfant qui, on lui dit, t'auras pas de bonbons, il dit, ça tombe bien, j'en ai pas envie. J'ai pas envie. C'est un peu une planque. Particulièrement la période d'abstinence, c'est l'obligation de se regarder en face. C'est l'obligation de se remettre en relation avec soi-même. Puisque c'était ça, moi, mon problème. C'était cette fuite de moi-même dans les autres, perpétuellement. Je passe d'un homme à un autre, d'une relation affective à une autre, d'une partouze à une autre partouze, pour me fuir. C'est moi que j'aime pas à ce moment-là, c'est moi que je déteste, donc je me fuis. Et quand t'arrêtes tout ça, t'es obligé de te retrouver avec toi-même. C'est horrible à quel point on est conditionné à vivre parce qu'on est l'objet de désir. Et quand on n'est plus l'objet de désir, on se sent plus exister en tant que femme. Et l'absence de sexe, ça m'a au moins permis de me réapproprier ça, quoi. Et maintenant, je mets plus des talons hauts pour être désirable ou des rouges à lèvres pour être désirable. Je le fais parce que j'ai envie de me plaire à moi avant de plaire aux hommes. Et... Là-dedans, j'ai l'impression d'avoir vraiment gagné un truc, quoi. Affirmer son asexualité, pour une femme en tout cas, ça relève, entre guillemets, d'une logique féministe, puisque c'est s'autoriser le fait de déroger au modèle sexuel qu'on tend à nous imposer. C'est s'autoriser à ne pas vouloir faire plaisir aux hommes, contre son gré en tout cas. Donc c'est une certaine forme de liberté, se dire « je ne suis pas obligée ». Je ne suis pas obligée d'avoir un rapport sexuel pour faire plaisir à un homme et je peux très bien m'en passer. D'ailleurs, c'est un peu le fait d'être féministe, tu disais, qui t'avait amené à te prendre conscience que tu étais asexuelle.
J'ai pas la réponse là tout de suite. Et vraiment, tu vois, plus j'avance, plus je vois que chez les hétéros, en tout cas, parce que vu que c'est ma cam, quoi, on va dire ça comme ça, et ben genre, y a vraiment des normes, et c'est des vieilles normes pourries, tu vois, moisies même. Genre, franchement, elles sont juste insupportables parce que c'est étouffant. C'est étouffant, il faut dire ce qu'il y a, tu vois. Quand on est une jeune femme, on est pressurisé par l'idée que, attention, si on ne donne pas satisfaction à un mec, c'est la fin du monde. Enfin, on est tellement sûr et conditionné dans l'idée que les hommes sont des obsédés sexuels et qu'ils ont besoin de faire l'amour 3 fois par jour que il y avait cette vidéo qu'on regardait tous au lycée de Couille Bleue. Et en fait, Couille Bleue est une petite marionnette qui te raconte que si un mec n'éjacule pas 1 fois par jour, ses couilles deviennent bleues et immenses. Et jusqu'à mes 23 ans, et j'ai vraiment de l'avouer, mais bon, c'est comme ça, jusqu'à mes 23 ans, j'étais persuadée que si un mec n'éjaculait pas 1 fois par jour, ses couilles devenaient bleues et immenses. Voilà. Mes partenaires m'ont déjà mis la pression en réclamant un rapport sexuel sous prétexte que sinon, ils allaient être pâles pendant la journée, ils allaient avoir les couilles bleues, ça allait pas aller, je les mettais en danger, voilà. J'ai déjà été responsable de la mise en danger de mes partenaires par des refus. Puis ça, je trouve que ça prouve aussi à quel point il y a une méconnaissance de la sexualité de manière générale, parce que tu savais pas du tout, tu me disais toi-même, tu les croyais en fait finalement quand ils disaient ça, et c'est même moi qui t'ai appris en fait que c'était n'importe quoi. Enfin, je trouve ça incroyable en fait que ce genre de mythe continue d'être aussi populaire, enfin qu'autant de monde y croit en fait. La légende des couilles bleues. Alors bah ça c'est une grosse légende qui concernait les moines qui soi-disant en arrêtant de se masturber finissaient par voir les couilles bleues. Bon ça n'a jamais existé, hein, c'est faux. C'est juste faux. Je pense qu'on est dans une société hyper sexualisée où il y a une recherche et un besoin de plaire. Tout pour tout, quoi. Je veux dire, de la pub pour la lingerie à la pub pour un gel douche, quoi. Tu sais, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Donc, quand t'es dépendant sexuel, ben, c'est hyper problématique, quoi, d'évoluer quand t'es malade dans une société comme celle-ci. Parce que ça veut dire que t'es sans cesse stimulé. Ça veut dire que si tu bétonnes pas ton travail de fond, la base de ton rétablissement, si elle est pas bétonnée, mais c'est la souffrance jusqu'à la fin, quoi. Je trouve que le sexe est omniprésent dans la société aujourd'hui, mais plus sous forme d'image et presque de marketing. Le sexe lié à la jeunesse, à la beauté, à la performance. Les jeunes femmes, je vois ça sur les réseaux sociaux, je vois ça aussi dans les amis de ma fille. Il y a une injonction à être séduisante, à être appétissante. Et les jeunes hommes ont cette espèce de sexualité des talons qui est vraiment véhiculée aussi par le porno omniprésent dès le plus jeune âge, mais c'est pas le désir de vie, c'est le désir n'est pas là, c'est juste l'image du sexe qui est omniprésente. Ça m'est déjà arrivé, un mec qui se vantait. Ah, je me suis dit waouh, ça doit être quelque chose lui, hein, tu vois, vraiment pouf. Et on s'est rencontrés intimement un moment parce que bon, on était un peu plus loin que voilà. Alors là, je dis ah bah le teaser était faux. Enfin, toi tu te dis genre, et là ça fait vraiment jugement de ma part parce que ça en a été un, faut dire ce qu'il y a, tu vois, faut pas mentir, mais juste j'étais là, mais je crois, enfin je comprends pas pourquoi tu t'es tant vendu comme une bête de sexe alors qu'en fait toi-même t'es pas à l'aise avec ton propre corps, et toi-même en fait t'es plein de questions en fait sur ta sexualité et que toi aussi tu sais pas faire, mais c'est pas grave, tu vois, genre on s'en fout, au contraire, genre dis-moi la vérité,
J'ai l'impression qu'on se complexe la vie, mais d'une force. Et tout ça parce que je pense qu'on doit montrer le meilleur de nous-mêmes. Combien de potes hommes sont traumatisés quand nous, les femmes, on parle de sexe et nous disent « mais vous êtes vachement dures, vous vous rendez pas compte d'à quel point ce que vous nous racontez, ça nous met une pression de malade et à quel point c'est difficile de pouvoir discuter de ça de manière ouverte parce que la pression est constante, quoi. » Oui, il existe chez moi depuis mon adolescence une certaine peur des femmes, mais qui s'atténue quand même avec l'âge. L'homme, il est stressé aussi quand même, à la base aussi, il est stressé, quoi. Il faut toujours qu'il soit dans la performance, qu'il assure et tout. C'est stressant, ça. Et je pense pas qu'on puisse avoir des bons rapports sexuels en étant dans le stress. Au contraire, il faut être super libéré. Mais voilà, quand on a dépassé ça, c'est très bien, mais c'est pas si simple, hein. C'est pas donné. Aujourd'hui, je suis à un âge où normalement les femmes n'ont plus tellement leur mot à dire au niveau du sexe, mais je pense que c'est cette période de ce désert que j'ai traversé avec joie qui me permet aujourd'hui d'être une femme de 60 ans qui a du désir, du plaisir et qui n'en a rien à foutre de son âge, et ni de l'image, ni de la façon dont les autres me regardent. C'est la façon dont moi je me vois qui compte. Et pour accéder à ça, je pense qu'il n'y a rien de plus important que de s'arrêter, de dire ok, j'arrête. Il y a une sorte d'exclusion dans la vie sexuelle, quoi. Faut être valide, blanc, bien portant, avec un corps dans les normes. Il faut pas être malade. Et la société nous renvoie ça quand même. Il faut avoir des moyens. Enfin, qui a les moyens de rencontrer des gens, surtout à Paris, ça coûte très cher d'aller boire un verre. Donc, qui a les moyens de prendre un taxi pour rentrer? Qui a les moyens de vivre seul, plus chez ses parents? Enfin, c'est cette espèce d'abondance de sexe est tout le temps corrélée aussi à l'abondance de moyens, à l'abondance économique, au bon capital social, au bon capital culturel, à la bonne façon d'être. Et on se rend quand même bien compte que même pour pouvoir avoir le loisir d'en parler face caméra, comme ça, il faut être privilégié. Faire ce que je fais actuellement, là, c'est effectivement très difficile. Hein. D'ailleurs, tu le sais, tu as eu du mal à avoir des témoignages d'hommes. Voilà, parce que hein, ça fait pas tellement partie de la masculinité, de la virilité, de se montrer vulnérable, n'est-ce pas? Bon, voilà, moi j'ai décidé de le faire et j'ai décidé de pas être flouté pour que, si on me voyait, on pouvait s'identifier à ma situation et se dire bon, je suis pas seul et je vais continuer, je vais pas me donner la mort, j'aurais réussi mon intervention. Il y a une image aussi qui est associée à la sexualité. Je pense que de nos jours, si on est hypersexuel, déjà c'est moins caché qu'avant et c'est, oh bah c'est cool. C'est quelqu'un qui aime bien la vie, c'est le bon vivant, etc. Nous, à l'inverse, on pâtit un petit peu de tout ça parce que comme on est asexuel, bah, on est considéré comme des gens tristes. On nous dit qu'on est triste, on nous dit qu'on est coincé, on nous dit qu'on est ennuyeux, alors que pas du tout. Non, on est éclatant de vie et de bonheur et d'amour, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout perçu comme ça par le reste de la société. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on joue au Scrabble. Cela, c'est la goutte d'eau. Oui. Je pense que c'est très difficile d'imaginer une vie sans contact, sans la peau de l'autre, sans la peau d'un autre, sans des mains qui nous touchent, sans des regards. Je crois que tout le monde a besoin qu'on le touche. Les gens qui disent « je veux pas que tu me touches », c'est pas vrai. Tout le monde veut qu'on le touche. Il faut juste l'accepter. Il faut accepter d'avoir ce besoin. Cette nécessité, il faut l'accepter. Et il faut aussi accepter ces moments où ça n'existe pas, en attendant les moments où ça va exister à nouveau, puisque ça reviendra forcément. Ce contact, il était présent dans ma vie, mais c'est quelque chose que je rejetais. Ou du moins quelque chose dont je n'arrivais pas à me satisfaire.
puisque je suis insatiable. Tout le travail que j'ai fait dans l'abstinence, ça va être de reprendre conscience de ce qu'est le contact et de ce que ça a à m'apporter. Mais pas n'importe comment et pas n'importe quel prix. Pour moi, plus que le sexe, c'est vraiment le rapport à la tendresse, quoi. Je suis jamais aussi bien que quand je suis dans ses bras et qu'on se prend l'un avec l'autre dans les bras et qu'en fait, après une longue journée, on passe juste quelques minutes collés l'un à l'autre et cette bienveillance et cet amour mutuel, ben, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien au quotidien et ça pourrait suffire quelque part. Être touché, ça pourrait suffire. Oui, c'est ce qui manque le plus. Oui, c'est l'échange quand même. C'est l'échange. Puis aussi, quelque chose qui met à voir avec la confiance en soi. Moi, je pense que le vrai miroir, c'est pas celui dans lequel on se regarde tous les matins. C'est le regard des autres. Donc, ne plus voir beau dans le regard de l'autre, c'est très dur. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie d'un mari. J'ai eu envie d'être la femme de quelqu'un. Et qu'un homme me demande en mariage. Et là, j'ai cherché un mari sur Internet. J'ai eu envie d'un homme qui me plaise physiquement, d'un homme avec qui j'aurais envie de faire l'amour tous les jours, avec qui j'aurais envie de dormir tous les jours. J'ai rencontré quelques candidats et puis un jour, j'ai vu arriver quelqu'un et je me suis dit, c'est bon, c'est lui. À l'instant où je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui. La danse m'a appris à dire non, ou elle m'apprend encore à dire non, à m'affirmer, tu vois. Mais c'est pas encore ça, hein. Je suis pas une grande danseuse, ouh là là, loin de là, fou, j'ai plein de progrès à faire, mon Dieu. Mais vraiment, par contre, c'est ça, c'est j'ai l'impression qu'avec la danse, j'ai envie de trouver mon identité. J'ai envie de reprendre possession de mon corps quoi, et de mon être et de m'imposer sans écraser les autres, mais de dire oui quand j'ai envie de dire oui, de dire non quand j'ai envie de dire non quoi. Mais est-ce que l'on peut être asexuel et avoir une sexualité solitaire ? On nous pose souvent la question en tant qu'asexuel si on se masturbe ou pas. Pour moi, la réponse est non. Pour moi, c'est oui. C'est là qu'on est un petit peu différent. C'est que on peut prendre du plaisir tout seul avec l'exploration de son propre corps et trouver une certaine forme de sexualité, tout à fait personnelle en fait. Ça concerne beaucoup d'asexuels d'ailleurs, le fait de se masturber quand même sans éprouver de désir pour d'autres personnes. Ça porte le nom d'autosexualité d'ailleurs. C'est une sorte de moment de complicité avec soi-même. Pardon, quoi ? Au secours. Bon, Coralie. Moi, je savais pas tout ça. Bah, c'est vrai qu'on en avait pas parlé. Mais... Je suis arrivé, mais malgré moi, c'est pas une volonté personnelle. Je suis arrivé quand même à une certaine forme de détachement. C'est-à-dire que le fait de moins me tourmenter pour la question, ça m'a quand même un peu fait gagner en tranquillité. Ça m'a aussi fait prendre un petit peu les choses moins au tragique. De moins être centré sur moi, de me dire ouais, il n'y a pas que moi qui souffre aussi dans le monde, je ne suis pas le centre de la terre, c'est malheureux ce qui m'arrive, mais bon. Je pense que l'abstinence, ça m'a permis de découvrir que je pouvais aimer quelqu'un au point de renoncer à une partie de ma vie, la sexualité, et que je pouvais arriver à vivre avec, que je pouvais arriver à en parler et arriver aussi à faire toutes ces étapes de deuil de vie sexuelle et à être heureuse ou au moins essayer de l'être. Et c'est important pour moi d'avoir pu faire ça pour quelqu'un dans ma vie. J'imagine retrouver une vie sexuelle un jour, peut-être avec lui, peut-être avec quelqu'un d'autre. J'imagine peut-être
aimé quelqu'un d'autre, peut-être qu'on se séparera pas. J'estime être un petit peu ouverte à tout ce qui peut se passer dans une vie. Enfin, c'est le principe même de la vie, je crois. Enfin, si on me disait déjà que à 60 ans, je serais là avec telle personne, à quoi bon vivre, quoi. C'est bien quand il y a un peu de surprise. Moi, j'ai une famille athée. Hein. J'ai été baptisé, j'ai fait mon catéchisme, mais je me suis toujours accroché à ça parce que, à un moment donné, dans ma vie de consommation, je pensais que j'étais puni par Dieu parce que j'étais homosexuel. J'ai la conviction aujourd'hui que Dieu m'aime, malgré le fait que je sois homosexuel, malgré le fait que je sois toxicomane, et il m'aime même parce que je suis homosexuel et parce que je suis un toxicomane. Vous n'avez pas lâché vos mains un instant pendant tout l'interview. Non, c'est vrai qu'on n'a pas lâché nos mains depuis le début. Ben ouais, mais c'est parce qu'on est, on s'aime tout simplement. On est bien ensemble. C'est pas parce qu'on n'éprouve pas de désir sexuel l'un pour l'autre qu'on n'a aucune attirance physique ou aucune attirance l'un pour l'autre. On aime se toucher, on aime être l'un contre l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche énormément. Et on dit que le sexe, c'est le ciment du couple, traditionnellement. Bah, pour nous, du coup, effectivement, ça l'est pas. Et c'est vrai qu'on a dû, entre guillemets, se trouver un autre ciment. Et nous, ce ciment-là, bah, il passe par le contact qu'on a l'un pour l'autre. Un contact qui n'est pas sexuel. Oui. C'est gênant. Hein. Je voulais refaire le voyage en arrière vers la jeune fille que j'étais, la retrouver et essayer de renouer avec ce petit moment qui, dans ma tête, est un moment en dos crôlé dans la mer un jour de juillet. Jusqu'au plongeoir, et là le corps est heureux. Le corps exulte, comme dit Brel. Et c'était ça que je voulais retrouver. Je voulais retrouver cette jeune fille et lui dire, OK, on va trouver une solution. Le sexe, ça va revenir, mais ça reviendra pas sans un désir plus fort que toi. Et j'ai attendu le désir plus fort que moi. J'ai attendu que j'ai plus le choix, qu'il fallait que j'y aille. Et j'y suis allée, mais tellement heureuse, avec tellement de joie, tellement de bonheur. Et ça a été une explosion absolue de plaisir, cette fois. Quand je danse, maintenant, parce que voilà, j'arrive à être en connexion avec la musique. Ça me fait du bien, tu vois. J'ai vraiment un truc qui m'anime, quoi. C'est trop bien. C'est génial. Et ça fait plaisir. Tu vois, c'est vraiment... Je pleure tout le temps, quoi. Oh. C'est chouette, en fait, c'est chouette parce que du coup, tu peux être qui tu veux, quand tu veux. Voilà. Livre.